même dalle. Merci. Par contre, je vous inviterai à sortir. Merci. Je suis désolée, je suis déjà mariée. Non, en fait, je vais vous demander de sortir du bar à la fin de l'hôtel parce que nous fermons. Alors, ça sert à rien d'être désagréable, hein, comme ça. Hein. Je... Oui, Jackie. Tu pourrais m'expliquer comment ça se fait que t'as eu des relations sexuelles avec elle? Écoute, elle était allongée là, toute nue, dans le noir, au bureau. T'aurais fait quoi à ma place? Mais l'autopsie, Michel, l'autopsie! L'autopsie. Les gars, ça vous dit, on fait un petit jeu? Ouais, vas-y, ouais, tranquille. Chaud? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, chacun va raconter une anecdote. Celui qui a la pire, il choisit le resto pour ce soir, ça vous va? Allez, Jean, tu commences. Bah moi, une fois, j'ai un pote qui est sorti de sa chambre, tout tremblant, en criant. Et il a dit, c'est un garçon, c'est un garçon! C'est trop bien, le meilleur moment de sa vie, quoi. Non, mais non, t'as pas compris. C'est pour ça que je voyage pas en Thaïlande. T'as croisé un con, toi? Oh, on parle pas, j'ai croisé ton voisin, là, le Juréac. Oh, merde. Et... Et tu veux savoir ce qu'il m'a dit? Ouais. Il m'a dit, en gueulant, ouais, les personnes comme toi, là, les homos, c'est contre nature. Putain, sérieux? T'as fait quoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux, vénère de chez vénère, je te jure. Et je lui ai dit, et toi, tu crois que ton pacemaker, c'est pas contre nature?